Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Planète Crafter. Bon, j'ai fait pas mal de choses entre les deux épisodes. Je vais vous résumer tout ça. Et puis, on a du pain sur la planche. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à faire, pas mal de nouveaux bâtiments. J'ai découvert aussi de nouvelles choses par moi-même. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. On va boire un coup directement. Bam! Alors, vous voyez qu'on est à pratiquement 60%. J'ai pas forcément bourriné, j'ai surtout fait deux fusées à plantes parce que vraiment les végétaux, j'en avais un petit peu marre. C'est la suite en fait. Et voilà, on a les semoirs d'arbres, ce que je cherchais. Un petit peu la suite logique, on a fait les plantes, maintenant il nous fallait les arbres. Donc, on va regarder tout de suite ce qu'il nous faut. Il va nous falloir super alliage, échantillons de bactéries, engrais, écorce d'arbres et granulés bioplastiques. J'ai tout ce qu'il faut de toute façon parce que j'ai beaucoup farmé. On a l'optimisateur de machine T2, l'obsidienne. Ah, c'est ça l'obsidienne. Hop, l'obsidienne sur la map quand on descend, notamment vers là. Voilà, ici on voit qu'on peut farmer de l'obsidienne. Ah, en plus, je l'ai trouvé ce vaisseau. Ouais, ok. Donc ça peut être intéressant de le faire. On a aussi tout ce qui va être les fusées GPS T2 et T3. Pourquoi pas? En chose très intéressante, j'ai également l'incubateur. Voilà, l'incubateur, ça donne envie, hein. Utilisez-le pour créer de nouveaux insectes à l'aide de larves et de mutagènes. Les mutations peuvent générer différentes larves avec la même recette. Certaines mutations doivent être découvertes. C'est vraiment top. Voilà. J'ai fait également du T4. Voilà, vous voyez, j'en ai un deuxième ici. Et j'ai mis un petit optimisateur derrière. J'ai remis également. Voilà, un truc nucléaire ici. Mais surtout, j'ai bourriné la chaleur avec l'optimisateur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour la nouvelle source d'énergie. Regardez-le. Ouh là 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 là. Le réacteur à fusion. Regardez l'énergie, plus 1485. Mais en même temps, je suis complètement obligé. Pourquoi? Parce que regardez, les T2 me demandent 164 d'énergie. Sachant que ça me donnait 300. Je pouvais même pas en faire 3. Des extracteurs de minerais niveau 2. Alors je vais répondre tout de suite à la question. Oui, je suis retourné mettre un extracteur T2 là-bas en direction de l'uranium et il s'est avéré que c'était la bonne solution. Donc voilà, je peux extraire de l'uranium maintenant. Ça peut être intéressant. Enfin, c'est intéressant. Je suis allé explorer. Alors, il faut savoir qu'entre deux épisodes, c'est tellement long le temps que je fais des petits lives de temps en temps sur Twitch. Alors, il n'y a pas d'heure, hein, ça pop n'importe quand. Mais c'est sur Twitch slash LuckyGot avec un 0 à la place du O. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Là, je farm, j'ai fait un peu d'explo. Alors, j'ai rien découvert de foufou sans vous. Sinon, j'aurais record, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour vous montrer que voilà. Il y avait déjà pas mal de moteurs de fusée. J'en ai utilisé deux, il en reste deux. Bon, pas mal de barres d'iridium, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vous ai attendu. Le live n'a pas eu la primeur de ça. Bien sûr que c'était pour vous. Donc, on va y aller tout de suite. Allez, hop. On décode. Filtre du menu construction. Oh, bah, on est content. Hein. Mur intérieur. Ah, franchement, il y a vraiment des trucs. Comme c'est un peu de la chance, je trouve ça nul. Mais bon, mur intérieur, c'est pour que ce soit joli, c'est ça? D'accord. Et le filtre, c'est quoi? Le filtre du menu construction. Je vois pas trop ce que c'est. Bon, j'aurais presque pu les faire de mon côté. Et enfin, dernier point, j'ai rajouté des fleurs vraiment partout, comme vous le voyez. Voilà. Pour justement toujours bourriner un petit peu plus les végétaux, parce que je ne l'ai pas vu la première fois que j'ai joué au jeu, ça n'existait pas. Donc là, j'en ai un petit peu marre, je voulais voir ça. Voilà. Donc on peut se faire un petit incubateur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va commencer par l'incubateur, parce que ça va prendre du temps. Alors c'est parti, bam, j'ai un engrais T2. Ensuite, il nous faut une bouteille d'oxygène, hein, l'écorce d'arbre. Allez, on va faire ça. Donc les bouteilles d'oxygène, c'est bien d'en avoir sur soi. J'ai encore failli mourir en live parce que justement, je me suis un peu paumé. En fait, c'était tellement simple de se repérer au début du jeu que en ce moment, je tourne en rond et je retourne pas forcément sur moi-même. Donc, c'est compliqué. J'ai envie de le faire en haut. Voilà, on va se le faire en haut. C'est peut-être pas très pratique, mais je me dis que c'est vraiment sa place en haut. On va l'enlever ça. Je suis pas sûr que ça soit la bonne place. On va se mettre là. Hop. Voilà, trop bien. Donc là, je suppose qu'on peut mettre les larves. Et là, je suis.
Larve d'abeille. Larve de papillon. Azuraé. Penga. Soie. Ver à soie. Œuf de poisson chrome. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah, alors ça, on va regarder. Ah non, c'est rouge. C'est pas ouf. Vous savez que j'ai eu des météorites qui donnaient carrément de l'alliage. Bah, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Et on va voir ce que c'est. J'ai peur que ça soit simplement des trucs communs. Ah, c'est de l'alu. Oh non, des trucs communs. Nul! Nul! J'ai eu de l'osmium, vous étiez là. J'ai, dans le dernier épisode, j'ai essayé de vous faire un, pas un montage. Ça serait peut-être un peu trop loin, mais. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, ça vraiment, faut qu'on le récupère. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on va le monter. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se prendre 3 fers pour se faire une armoire. Et on va prendre les graines. Babam. Voilà, on va prendre des petites graines, des écorces d'arbres, on va prendre la larve. Allons-y. Je pense qu'il manquera des choses, mais au moins on sera tranquille. Allez. Donc, une larve peu commune, mais moi j'ai pas en fait. Larve commune. Moi j'ai quoi? Larve commune. Donc je peux faire quoi là? Larve commune, mutagène, engrais. Larve peu commune, larve rare. J'ai que ça moi en fait. Mutagène, engrais. Ça. Alors, je m'étais mis un petit truc ici, mais on va l'enlever. Parce qu'ici, c'est pour les arbres. On va se mettre un peu de ça. Voilà, vous voyez, on avait aussi les arbres. Mais ça sera la deuxième phase. J'ai du mutagène. C'était bactéries ou mutagène, je me souviens plus. Alors, ça dit quoi? Voilà. Et engrais. Donc en fait, c'est que. Hop. Oh non, l'engrais, je vais jamais avoir ce qu'il faut. J'ai farmé l'engrais comme un porc. Et si vous voulez, il me manque. Aubergine maintenant. Ah bah voilà, ça me permet de vous montrer la dernière chose que j'ai faite, regardez, c'est des T2. Ce sont des trucs T2 par rapport au T1. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors je comprends pas parce que chance de récupérer les graines 100%, mais les graines de quoi? Là aussi, vitesse de croissance 0,6 et là 1,1. Bon, écoutez, voilà. Bon, ça c'est bien. On récupère toujours autant, c'est important. Paf, paf. Parce que je vous cache pas que des fois c'est un peu le caca. La bouffe descend vite quand même. Alors l'eau descend vraiment trop vite, ça me fait péter un plomb. Mais on va bientôt débloquer, j'ai vu, le filtre à air. Donc voilà, on va faire comme ça. On a dit ça, ça. Et les algues, je suis allé les récupérer parce que j'en avais plus pratiquement. Voilà, donc là on devrait avoir un engrais. On a un engrais, oui. Je sais à peu près ce que je fais quand même. Hop. Allez, on analyse. Ok, ça va prendre du temps. Ok, 7%. Parfait. Maintenant, on va directement enchaîner avec. Alors, on a l'autocrafter aussi qu'on n'a pas fait. Avec le semoir d'arbre. Ah, oh, j'ai tellement hâte. Oh non, faut encore de l'engrais. Oh, qu'ils nous prennent la tête. 1, 2, 3. Il nous faut. Alors, le soufre aussi, je commence à plus en avoir. Mais ne vous inquiétez pas. On a une mine qui marche pas forcément très très bien. Après, je ne sais pas si ça vaut le coup de tout passer en T2. Parce que figurez-vous que même dans la T2, c'est ok pour récupérer l'uranium. Mais ça me récupère aussi du fer et tout, quoi. Donc, c'est pas fou. Je trouve. Je trouve que c'est pas fou. Ce n'est que mon point de vue. Engrais, échantillon de bactéries. Granulé, écorce, bah c'est bon, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Bah, l'échantillon de bactéries, j'ai. Ok, le granulé en plastoc. Bam, il est là. Et ensuite, il nous faut un super alliage. J'en fais qu'un pour commencer. Et ensuite, peut-être que je sais pas si je le ferai avec vous, mais j'ai pas envie de vous embêter trop. Donc voilà. Alors, par contre, est-ce qu'on a de quoi au niveau des graines? Est-ce qu'on a un arbre? Non, hein. La musique est forte, non, aujourd'hui? J'ai rien touché. Donc, on se fait quoi comme arbre? On se fait le premier? Allez. J'étais sûr. Ah, mais en plus, faut l'analyser. Là aussi. Oh. Bon, on va se prendre le premier. Alors, écorce, mutagène, graines de machin. Regardez.
Le soufre, il va me saouler, je pense. Ah, j'en ai un encore d'avance. Tagène, écorce d'arbre. Faudrait qu'on monte les graines. Hein. Faudrait qu'on monte les graines. On va en monter. Oula, pardon. On va en monter pas mal, je pense. Voilà. Il nous faut surtout celle-là. Ah, il y a des graines d'aubergine de fou encore. Encore l'hydratation qui nous pose problème. On va se refaire une armoire, je pense. 1, 2, 3. Voilà. J'ai fermé les ressources de base, j'ai beaucoup de choses. Là, on n'est pas trop mal. Apparemment, on peut aussi aller miner directement les alliages. Bon, il y a un T3 là-dessus. Hein. Je sais plus où c'est, mais il y a un T3. Sachez qu'au niveau de la chaleur, on est à fond. Voilà, on a tout débloqué. Utilisateur de machine 2, bon, peut-être que je le ferai après. Voilà. Il y a quand même du chauffage T4. Il hein. Y a du T5 aussi, j'ai vu. Bon, filtre à eau permet de boire directement les boîtes. Bon, 7, c'est pas mal. On est à 66%. On a de quoi faire aussi des fusées. Donc je pense qu'on va pas se priver. Waouh! D'accord. Et ça, je le mets dans quoi? Il me faut un incubateur à insectes alors. Ça s'appelle comment? D'accord, bon, attendez, on va aller faire le bail de l'arbre. C'était quoi? C'était ça, ça, ça? Oui. Ok, donc là, ça analyse. Maintenant, peut-être qu'il serait temps qu'on regarde un petit peu. Ah, mais c'est ça! 140T. 55 80T la ruche. Alors en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être plus les abeilles. Bah oui, mais une larve peu commune, j'en ai pas trouvé. On va voir. Hop, tac. On va faire ça comme ça. Voilà. Ici, attendez, on va tout trier. On va faire ça. Voilà. Hop. Pas mal là. Là, je l'ai annulé, c'est ça? Sans faire exprès. Ok. Ouais, je sais, vous êtes en train de m'insulter dans les commentaires, bien sûr. C'était normal. Normal, c'est mérité. Hop. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Combien de temps ça met? 12%. On va rester dans le coin. Vous savez quoi? On va préparer notre expédition. Allez, c'est parti. Base. On va poser ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'irait pas se poser un truc? Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire tout de suite. Ça va vous intéresser, bien sûr. Hop, allez. On va aller chercher l'uranium. Comme ça, je vous montre. C'est pas loin. Et après, je sais pas où on ira exactement. Je pense que de l'autre côté, c'est intéressant. Après, je me perds souvent. Bon, parce qu'on est à une mort près, je ne pense pas. Non mais c'est plutôt cool. Là je vous ai montré que des nouvelles choses. Donc là il faut trouver tout droit le petit N. Des fois je me trompe. Voilà. Puis alors l'autre jour bien sûr en live, ça s'appelait un peu la honte parce qu'il faisait nuit. Même avec la petite torche qui éclairait rien, c'était chaud. Mais il y a encore des météorites là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a tout un biome aussi, jungle, qui est super beau. Le tout premier, je sais pas si vous vous souvenez, où on avait essayé de poser la mine d'uranium. D'ailleurs, on pourrait aller en poser une deuxième. Hein. D'ailleurs, le gros générateur, faut que je vous montre, il m'a coûté tous mes trucs. Hein. Regardez. Mes 5 quartz pulsars. Hein. 5, il en faut. Ok, donc là, on est bon. Voilà. Donc là c'est une armoire carrément. Ah par contre hein, vous avez vu c'est appréciable. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ouais, non, franchement, c'est nice. Faut venir régulièrement au début, puis après, on sera tranquille. Là, on devrait plus avoir de problème. Voilà, au moins, je vous ai montré. On est propre, on fait pas de bêtises. Franchement, qu'est-ce que ça nous coûte? Juste là, je discute avec vous, même pas. Et hop, on est reparti, voyez? Ouais, c'est juste une tempête de sable, il n'y a pas l'air d'y avoir de météorite. Alors, le petit N. Ce qui serait bien, c'est d'aller poser, pendant notre périple, d'aller poser une autre mine. Soit la mine d'osmium, je pense qu'à force, on va le regretter si on le fait pas. Soit la mine carrément des alliages renforcés là. Peut-être bien l'osmium, c'est juste à côté, hein. Je crois. On va aller voir ça. Et après, remplacer ces mines-là. Alors, peut-être pas sur l'alu, parce que l'alu, il y a l'air d'y en avoir beaucoup. Allez, les nuits sont nuits maintenant. C'est français ou pas? On voit vraiment plus rien. Hop. Parfait. J'ai de quoi faire des fusées comme vous avez vu. Ok. On va peut-être s'en faire un. Deux. Non, un. Parce qu'on peut pas en faire deux. Alors, on va se le mettre là. Hop. Attendez, on en a ou pas? Ouais. On va s'en faire une deuxième. Tac. Ok. On va se faire ça pour tout à l'heure. L'eau, on la prendra directement là-bas. Est-ce qu'on est déjà à 100% là? Non, quand même pas. Au niveau de la boue, on va se prendre surtout ça. Hein. On va se prendre 50 000 trucs. Voilà, on va aller voir l'arbre maintenant. Je sais pas du tout comment ça marche. Ça n'existait pas à l'époque où j'ai fait le jeu. Hop, ok. Est-ce qu'on essaye de se faire un deuxième en attendant? Graines de Pestera, est-ce que j'en ai ici? Non, sinon c'est pas drôle. Et là, c'est la graine de Lyrma. Oui, graines de Lyrma, j'ai. Écorce d'arbre, j'ai. Et mutagène. Donc on va se prendre un deuxième écorce d'arbre. Il nous faudrait un mutagène. Mutagène, c'est échantillon, cartouche, soufre. Ah oui, il va falloir que j'aille farmer le soufre. Hop, voilà. Alors, bam, bam, bam. Allez, on analyse. Parfait. On est d'accord que je peux toujours farmer ça. Oui, c'est parfait. Écoutez, moi sur la colline là-haut, je verrai bien quelques arbres. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si je peux, comme j'ai déjà mis un truc. Apparemment, on peut pas. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Alors attendez, peut-être qu'on peut lire la description. La passer sur l'eau? Ben voilà, il suffit de lire. Alors. Hop, hop, allez hop, ça c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. On est sur du quoi? On est sur du 97 secondes végétaux, sachant que j'ai mis ma petite mine. Non, pas ma mine. Mes fusées, je pense que ça va faire très très mal. Allez, donc là on est bien. On va aller chercher l'eau. On va aller explorer. On va juste regarder à l'étage plusieurs choses. Déjà, est-ce que ça a fait augmenter de fou? Non, mais ça y est. Ouais, donc en gros, les insectes, on sera pas là. Mais c'est pas grave. Franchement, maintenant, je pense qu'il y a plus besoin d'être là pour les pallier. C'est pas un problème. Vous voyez, il y a une mine T3. Donc je pense que extrait le minerai choisi du sol. Ah on peut carrément choisir, d'accord. Ok, donc on va regarder ici. Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce qu'on se fait la mine d'osmium? Ah il y a de la zéolite. Là, vous voyez, il y a carrément une mine de ça. Mais la question c'est... Ouais, après je reviens en arrière au pire. On fait ça ou pas? Là je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin. Alors j'étais où moi? Encore une mine d'osmium. Ici, là, il y a un gros cratère. C'est hyper intéressant. Et quand je suis au cratère, je suis où? Ah oui, si, je sais ce qu'on va faire avant de partir. On va faire ça. Non. On va faire une balise. Voilà. Parce que franchement, c'est la merde. Donc, on va aller chercher la mine d'alliage. Et si ça marche pas, on viendra sur nos pas. On fera la mine d'osmium. Ça vous va? Parfait. Pas d'interaction, oui, forcément.
Ça c'est bon. Il va falloir qu'on trouve des larves aussi, hein, peu communes. Je sais pas où on va les trouver. Je réfléchis. Allez hop, on va prendre l'alu déjà. L'alu. Titane silicium. Titane silicium, c'est parti. Est-ce qu'on peut se la mettre sur le toit tout en haut là, genre là, là, au milieu de tout? Oui, ça c'est beau ça. Hop! On va se la mettre en vert. Voilà. Et on va se mettre. On va mettre maison. Voilà. Parfait. Maison. Ça, c'est bon. On va aller se chercher de l'eau. Donc l'eau, il faut pas lésiner. Je vais en prendre 3. Je vais en boire une. Voilà. On est bon. Donc l'eau 2, vous voyez, il y a moins 1,6 parce que du coup, on perd de moins en moins. Hein. On consomme de moins en moins d'oxygène puisqu'il y en a de plus en plus dans l'atmosphère, ça paraît logique. Ok, donc là on est bon. Et maintenant on va se prendre de quoi faire l'extracteur du minerai T2. Donc c'est 2 barres. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que pour nous? 3 osmium. Ouais, je crois que c'est l'osmium d'abord qu'on va faire. Ah, attendez, est-ce qu'on ferait les gourmands qu'on n'irait pas s'en poser 2 d'un coup? Ah non, mais il y a les super alliages. On n'y arrivera pas à les super alliages, je pense. Faut de l'alu, je crois. On va voir. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va bouffer tout ça. Hop. Donc, ça en moins. Et 1, 2, 3. Ok. On pose l'alu. Ok, on vérifie qu'on peut poser ça. On peut. Il pleut? Il pleut. Vérifie juste. Bon, on va le louper, ça, je pense, mais c'est pas grave. Un dernier coup d'œil. On se check un dernier coup d'œil. On essaye d'aller là? Allez, c'est parti. Faisons-le. Donc, la mine d'osmium, je sais où elle est. Par contre, je suis pas sûr de moi pour la mine. Je sais pas si elle est en l'air ou pas. Parce qu'il y a des espèces de cavités, des grottes, mais directement aériennes un petit peu dans la roche, selon où vous allez. On va longer. On va longer. Bon, par contre, je trouve que le jetpack niveau 3, on le sent vraiment. Peut-être que c'est juste mon avis, mais... Peut-être qu'on devrait aller dans le biome là-bas aussi, aller checker un petit peu les larves. Ça serait pas étonnant hein, qu'il y ait des larves. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on farme de quoi se faire une petite maison. Donc normalement ça serait ici je pense la base. Là vous voyez à l'intérieur de ça je pense que c'est les alliages. Donc la question c'est est-ce qu'il y a une grotte quelque part ou pas? Voilà. Parfait. Donc pour moi ça serait là. Faisons-le. Hop, vérifions. Vous vous rendez compte? Aïe 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 aïe, c'est tellement la classe. Oh, super liage, c'est trop bien. Bon, on est en train de farmer du super liage, pas de problème. Donc comme ça, comme on a assez d'osmium, on ira faire la mine d'osmium derrière. Allez, donc il faut du fer et ça c'est pour la porte, le silicium. Maintenant il nous faut du titane et un dernier fer. On va aller là-bas, je vais vous montrer un petit peu le biome. Normalement vous le connaissez, mais on va peut-être être un petit peu plus attentif. Il nous faut encore du titane normalement. Alors, donc il faut 3 fers, 2 titanes, 1 silicium. Il me manque un fer, je pense. 3 fers, 2 titanes, 1 silicium. Il me manque un fer. Bon, franchement, voilà. Là, on est bon. On va aller voir ici. Et peut-être qu'on va être plus attentif aux différentes larves par terre. Pas par terre. Peut-être caché aussi. C'était dans les grottes que je les ai trouvées, les larves. Mais pourquoi pas, hein. De toute façon, je vais refaire un peu le chemin que j'avais fait. Maintenant, j'ai le truc maison. Donc, si on est bloqué. Zéolite, je m'en fous un peu. Alors, je sais que ça fait larve commune. Mais non, on veut peu commune. Ça fait un peu le mec, mais. Ah, peut-être que j'aurais dû aller ailleurs dans d'autres biomes. Mais c'est pas ici que je les avais trouvés. C'est pas ici. On peut pas récupérer, hein. J'ai récupéré une fois une plante à un endroit. Et ça m'a donné une graine avec un multiplicateur de
450. Ici, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait faire. Ah si, 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 c'est les explosifs. Ouais, ça m'a saoulé. Les explosifs, comme je disais en live, c'est une mise à jour qui a été faite après. Après le tout. Et enfin, après que le jeu soit sorti. Donc avant, il n'y avait pas besoin de ça. Et je les ai pas, les explosifs. Je sais pas quand c'est qu'on les débloque. Faudra que je regarde. J'ai pas du tout noté sur la map non plus où ils étaient. Bon, on essaiera de s'en souvenir. Ah oui, la maison est là. Vous voyez, là, j'ai fait un tour complet. Je suis perdu. Parce que pour moi, j'avais pas fait ça. Ok. Et on va se poser. En vrai, j'ai envie de le laisser, ce petit Kajibi dans ce biome-là. Bon, après, il est pas loin de la maison, on va pas le faire. J'ai tout récupéré là? Regardons les larves. Je sais pas s'il y en a sous l'eau des larves. Là, il nous faudrait celle des ruches là. Il n'y a pas celle des ruches. Bon, c'est tout nouveau pour moi. Ok. C'est vraiment un jeu de fou quand même. Hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est vraiment un jeu de fou. Tout ce qu'on peut faire, c'est fou. Je regardais, je l'ai payé 16 € et quelques au tout début. Je vais être à 40 heures de jeu. C'est fou quand même. En deux parties différentes. Je pourrais limite refaire une game avec les copains, vu qu'il y a le multi dessus. Donc ouais. On va aller voir là-bas peut-être pour les larves. Écoutez, là, on va s'amuser à explorer. Et puis, comme moi, je suis un peu le farmer entre deux épisodes, je ferai ça. Voilà, tout simplement, je ferai ça. Je sais même pas si je suis venu avec vous ici. J'étais venu une fois. Je sais plus si c'était hors épisode. Alors là, faut pas faire n'importe quoi. On pourra jamais remonter là, si. Ah, encore une. Mais une commune! Ah, peu commune! Peu commune! Oui, on a chopé une. C'est ce qu'il nous faut, je crois, pour les ruches. Et sachant que c'est ce qu'on va débloquer en premier, c'était important d'en avoir une. Allez, hop, on va essayer de faire le saut là. Pitié, 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 on regarde en l'air. Ouais, c'est bon. Je devrais regarder un peu plus, mais j'ai envie d'avancer là-bas. Alors, là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Oh, c'est joli hein depuis. Parce que alors c'est vraiment pas top hein, quand vous venez ici avant la terraformation de l'herbe. C'est pas foufou. Bon bah écoutez, les larves elles ont l'air d'être posées aussi de façon un peu aléatoire, non? Y a un truc derrière ou pas? Bon ça c'était un peu couru d'avance. Ah oui, l'explosion. Bon, on saura. Cascade, explosion. Le vaisseau dans le biome un peu jungle. Un peu jungle. Ah là, il y a de la glace. Qui a pas fondu. Parce que vous remarquerez que le jeu est quand même vachement. Ah bah, si, j'étais venu, vous voyez. Vous remarquerez que le jeu est quand même bien fait. Parce que la glace, il n'y en a plus. De toute façon, vous avez l'eau autrement, on est d'accord. Mais. Ah ouais, là, il y a du. Il y a ce qu'il faut là. Il hein. Y a pas mal d'aluminium aussi. Qu'est-ce qui est bas, ouais. Ok, là il y a encore un coffre. Oh là 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 là. Ça on prend. Hein. Bon, je reviendrai sûrement en exploration sans vous. Hein, maintenant que je vous ai montré ça, je pense que ça va. On en a assez vu. La maison est là-bas. On peut peut-être aller à gauche. Depuis la terraformation, on n'est pas revenu. Il y a quoi au fond? Attendez, il y a un truc. On en vient ou pas? Non. Ça a l'air d'être un vaisseau. On a 2 minutes, on a 2 minutes. Ah non, c'est encore.
C'est encore mort par les explosifs. Bon bah écoutez, va falloir qu'on regarde comment débloquer les explosifs parce que... Apparemment, c'est ce qui nous manque maintenant pour l'exploration. Multiplicateur d'oxygène. En vrai, ouais, 500%, hein, c'est bien. Mais bon. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On grid ou pas? Ouais, on va donner les ressources, je pense. On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà. On va faire aussi ça. Ça. Voilà. Ah, filtre à eau. Ça va être banger. Hein. Vraiment, moi, j'attendais que ça, je vous avoue. C'est bon au bout d'un moment. Donc là, c'est quoi? Ah, bah, c'est une mine d'alu. D'accord, c'est une mine d'alu. Avec du soufre, oui! D'accord, et là on peut peut-être sélectionner ce qu'on veut. Ah, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, au bout d'un moment, les gars? C'est chiant, quoi. Il y a trop de choses. Trop de choses à prendre. L'engrais et ça, c'est toujours ça de moins à farmer. Bon, on va être très clair. Lors des deux prochains épisodes, enfin entre les deux épisodes, je veux dire, je vais bourriner et farmer comme un ouf les fusées, d'accord? Comme ça, je vais augmenter le multiplicateur à en crever et bah on ira beaucoup plus vite. Il y aura beaucoup plus. De toute façon, moi dans ma tête, on approche tout doucement de la fin. Alors je sais que maintenant il y a les mammifères et tout, que voilà, ils ont fait des trucs de fou. Mais je dois vous avouer que là, bon, on a fait quand même beaucoup d'épisodes. Là, il y a le vaisseau. Là-bas, il y a la grotte. On peut là aller dessus. Ouais. Voilà, il y a des coffres. Ça doit puer ce qu'il y a dedans. Oh ah ouais. Multiplicateur des plantes avec tout ce que j'ai planté au même endroit. Ah bah voyez, ça c'est de l'osmium. C'est des météorites osmium. Ce qui est chiant, c'est que c'est calé sur le joueur. Oh, c'est calé sur le joueur. Donc ouais. Le problème, c'est que bah ça va venir ici l'osmium et pas chez moi. J'aurais préféré que ça soit à la maison. Mais bon. Il se passe quoi ici? On retourne à la maison par là ou pas? Ah bah oui, en fait, tout est lié, hein. Avec les trucs, ouais. Ok, donc là, voilà, le filtre est bleu, c'est de l'osmium. Vous le saurez. Donc là, j'étais venu sans vous, hein, mais je crois que je vous avais montré quand même à l'intérieur, il y avait pas mal de trucs. Notamment, tout ce qui est de type... L'alliage. Le super alliage. Et c'est ici que j'avais réussi à récupérer une plante. Bon. Dans le vaisseau, il y avait beaucoup, beaucoup de super alliages. C'est ce qui m'avait permis de farmer assez vite entre deux épisodes. Je sais pas quoi vous dire. On reviendra, on reviendra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? De toute façon, au bout d'un moment, voilà, hein. Bon, maintenant faut trouver une sortie, hein. Faut aller à la maison, c'est bon. Voilà, je pense que là on va y aller. Ok, mais ça passe tellement vite. En vrai, venez sur les lives, hein. Puis c'est un jeu où c'est tellement mieux d'échanger. Aïe aïe aïe, on est déjà à 33 minutes le temps qu'on rentre. On va aller faire l'arbre. On va aller voir la tête de l'arbre. On va peut-être lancer aussi un petit peu la larve ruche. Et puis après, je vous le dis, hein, je vais lancer 100. 50 000, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi il y a un trou? C'était comme ça avant. Alors qu'est-ce qui se... Ah bah oui, regardez, les arbres sont là, hein. Il n'y avait pas ça avant. D'accord. Ben c'est chouette. Voilà, c'est chouette. Non, je suis pas déçu. Je dis juste c'est chouette parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y a tellement de choses. On ne sait plus. On ne sait plus. Alors, regardez, j'avais plus de super alliage. Hein. J'ai posé une mine de super alliage hein, pour. Ça vous donne un. Ça vous donne un petit aperçu de la puissance de l'exploration. Peut-être que j'ai sous-estimé.
dans les premiers épisodes. Je veux bien le reconnaître. Ok, ça c'est bon. Ça vient là. Ça aussi. Bam. Donc là, on a quoi? On a des graines comme ça. Et ce qu'il faudrait, c'est faire la ruche, vu que c'est le premier. Donc, mutagène, engrais. Engrais, on en a chopé, non? Je crois. Engrais et mutagène. Ouais, faut pas déconner, j'en avais déjà plein. Mutagène, c'est ça, gaz, soufre. Allez, le soufre, on est remieux, heureusement. Voilà. Allez, on se remet dans la tête. Larve peu commune, mutagène, engrais. Larve peu commune, mutagène, engrais. On analyse, on attend. Allez, parfait. Ici, on peut mettre ça. On est très bien. On va manger ça. Graines de soleus. On va se refaire un petit arbre. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller se mettre ailleurs. Allez, hop. Donc, écorce d'arbre. Tac, tac, tac. Plastique, engrais. Plastique. L'engrais, j'en ai plus, je crois. Ah, j'en avais du truc, putain, c'est ouf. 1, 2, 3. Alors. Engrais, échantillon de bactéries et super alliage. Échantillon de bactéries, c'est bien ce que je pensais, mais des fois je suis un peu perdu. Donc, on a l'échantillon de bactéries et il nous manque l'engrais. L'engrais, c'est les aubergines, hein. C'est un peu pénible. Voilà, il nous en faut deux. Heureusement que j'ai mis les deux finalement parce que les champignons on n'en a pas besoin en vrai. Bam, bam, voilà. On peut tout récupérer, on récupère tout. C'est chiant, c'est fastidieux au bout d'un moment, mais on va pas se cacher que voilà. Hop, allez, on a la ruche. On va pouvoir faire ça et on a 36 minutes d'épisode. Dépêchons-nous. Alors c'est pas que je veux pas faire des longs épisodes, c'est que Planet Crafter a la fâcheuse tendance à être très très lourd. Et des fois, je vous avoue que, eh ben, la vidéo a mis 3 ans à se charger et tout, c'est compliqué quoi. Oh, oh non! Oh non, ne dites pas ça. Pourquoi? Allez, 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 on va y arriver, on va y arriver. Je suis content que vous soyez là avec moi pour les découvertes. Bam, bam, c'est tout. Ah oui, je sais pas si vous aviez vu, ils ont même fait le corail et tout, hein. C'est très très beau hein, quand il fait jour. Hein. C'est, ils ont vraiment géré. J'ai regardé, on peut rien ramasser pour le moment, mais c'est vraiment très très chouette hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Heureusement qu'on a bougé la base quand même. Hein. Oh, tout ce qu'il y a là. En même temps, il y a besoin hein, parce que quand vous voyez. Hop. Tout ce dont j'ai besoin au niveau des algues, j'ai essayé de le faire au fur et à mesure. Ah, c'est jusque là. Oh, ici, c'est joli les fleurs. Vous avez tout ce qu'on a là? On va avoir les arbres là-bas. Je vais en mettre un là pour avoir les arbres au bout aussi. C'est dommage que ce soit dans l'eau. Mais il y a un T2. Donc je suppose que lui ne sera pas obligé d'être dans l'eau. Comme ça me permettra d'en mettre un peu partout. Alors, est-ce qu'on est bon pour l'engrais? On est bon pour l'engrais. Donc là, on va faire ça. Voilà. Voilà. Ah, me dites pas que j'ai plus de place déjà. Ah non, ça. Ok. Donc, on a dit que. Parfait. On va aller chercher le papillon en même temps. Enfin, la ruche. Larve d'abeille. Maintenant, on va regarder ce qu'il faut. Larve d'abeille, super alliage, granulé, engrais. Non, non, n'en dites pas plus. N'en dites pas plus. N'en dites pas plus. C'est bon. Je me rappelle plus. C'est du soufre pour l'engrais. Hein. C'est pas trop logique, je trouve. Mais bon. Ok, engrais, granulé en plastoc, il en faut un deuxième. Et il nous faut deux super alliages. C'est parti. Non, si on aura bien avancé. Franchement, pour une fois que ça se goupille plutôt bien, moi je suis content. Alors, là on l'a mis là, donc là, on va se le mettre là. Donc il aurait peut-être pas fallu que je le mette si loin dans l'eau en fait. Je suis un peu teubé. Hein, on va pas se le cacher. Il est un peu bête le monsieur. Ouais, en fait, il faut vraiment le mettre au bord. Oui. Réfléchis maintenant le monsieur, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. À la ruche, je pense qu'on va se faire un joli jardin devant. Peut-être ici, un peu en hauteur, la ruche. Ah là. Ah là 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 là. Oh non! Il faut que je mette une larve. J'en avais qu'une peu commune. Elle m'a servi à build ça. Ok.
Bon bah c'est pas grave, je vais la farmer. Je vais la farmer, voilà. Bon, et eh ben écoutez, on a tout vu. On va aller voir où on en est. Parce que là, par contre, je vous le dis, voilà. On a 91%. Donc, de toute façon, on va passer aux insectes. Et donc, avec les insectes, on pourrait se faire ça. On va avoir le dôme à papillon, je pense, 140. On va pas tarder. Ah, à nouveau, une graine d'arbre Serena. D'accord, cool. Cool. Nourriture de haute qualité rend beaucoup de santé. Ah bah, au moins, on est tranquille. Ah, mais c'est ça qu'on a débloqué, d'accord. Et là, à 140T. Oh là, ça va vite, hein. Ah, mais 15 kilos, d'accord. Pourquoi les insectes, ça va si vite? Grâce à la ruche? Et je peux pas lui mettre n'importe quoi dans la ruche, je suppose. Si je mets une larve de papillon dans la ruche, ça va pas aller, quoi. Une larve peu commune. Quel dommage! Quel dommage. Ok. Donc, soyez-en directement avertis. Pendant que vous ne serez pas là, on va passer aux insectes. J'essaierai peut-être de filmer pour vous montrer la transition, mais je m'arrêterai pas dessus. Hein. J'espère que vous ne serez pas trop triste. Je ferai juste, je pense, une petite ellipse pour vous dire, bah voilà, ça y est, on est passé aux insectes. Mais après, je continuerai parce que sinon, vous allez voir tout le temps les mêmes trucs. Là, si je veux vraiment faire des vidéos... qui sortent un peu de l'ordinaire d'une à l'autre, je veux dire. Bon bah voilà quoi. Ah, les animaux, ça c'est ouf. Je vais faire les fusées GPS 1, 2. Enfin, il y a déjà le 1. Je vais faire le 2 et le 3. Et puis voilà. Donc oui, je pense qu'en fait, je vais vous montrer la transition. J'aurai le temps de rien faire de toute façon, vu qu'on a 92%. Mais là, attendre, ça serait peut-être un petit peu abusé, sachant qu'on n'a rien de nouveau. Parce que là, il faut juste aller chercher une larve. Lancer de la fusée, en veux-tu, en voilà. Alors le GPS, on s'en fout, hein, ouais, vous voyez, ça donne rien. Mais là, par contre, voilà quoi, je pense que je vais mettre de la graine, je vais mettre de l'astéroïde. Parce que l'oxygène, là, si je le monte à 5000, laisse tomber, quoi, ça va vraiment être fou. Voilà, au niveau de... On est pas mal, vous voyez, on a encore 800. Mais ça veut dire qu'il va peut-être falloir retrouver du pulsar, parce qu'on pourrait être tranquille avec tout ça. Je vais aller poser une mine pour avoir de l'osmium, et puis après, je pense qu'on sera pas trop mal. Les explosifs, tiens, regardons ensemble. C'est où les explosifs? Station de drone. Permet la création de drone. Téléporteur, semoir d'armes. T3! Pile à combustible, station de drone. Ouais, c'est là où il y a le plus de trucs, quoi. Ah ouais, mutagène T4, générateur de portail quartz pulsar. Ah, on pourra les crafter. Circuit imprimé, mutagène. Ah ouais, la terraformation, ça rigole pas. Là, il nous manque le semoir T2. Pousser des arbres, je pense qu'il n'y a plus besoin de le mettre dans l'eau. Récupération de vie aquatique, collecte les œufs. Ah oui, après, il y a les poissons. Donc là, après, on a fini, là. Il manque la mine T3. Et après, ah, on va débloquer masse larve. Le chauffage T5, la fusée d'insectes. Ah oui, d'accord, diffuseuse d'insectes, carrément. La foreuse T5. Les œufs de poisson, ok, après c'est les œufs de poisson. Là on a des fermes à poisson. Oh, mais c'est trop bien. Ouais, ils ont vraiment géré. Ok. Bon bah écoutez, on est pas mal. Donc je vais aller faire ça, masse fusée, aller chercher de la larve. Par contre, il n'y a pas les explosifs. Mais je peux les faire, ça se trouve, non? Juste la poudre explosive, je peux les mettre à côté, c'est ça? Bon écoutez, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Et puis voilà. Hein. Peut-être qu'ici, ou alors il faut les avoir sur un plan au pif. Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir. Filtre à air, faut quoi? Filtre à... On peut boire dans l'eau du lac. Ah, tissu, dites-moi que j'ai du tissu dans le divers. Je vais le faire avec vous, comme ça vous ne manquerez pas ça. Plastis, plastique, bouteille d'eau, silicium, aluminium. On va chercher le plastique. Hop! Ah, j'en ai plus. Peut-être que j'en ai plus. J'en ai plus. Mais le plastique, c'est avec du champi. Donc autant vous dire que champi, silicium, bouteille d'eau. Ok. Va falloir que je reprenne. Ok, plastique. Faut que je reprenne du silicium. Et la question, c'est est-ce qu'il faut que je reprenne des bouteilles d'eau? On va voir ça tout de suite. De plastique. Je vais péter un plomb.
On va juste regarder vite fait. Ouais, je vais vous attendre. Vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous à tout de suite avec le filtre à eau et pour les insectes. À tout de suite. Allez, bien, on se retrouve. Finalement, ça n'aura pas pris tant de temps que ça. Attention! Non, j'ai moins d'engouement parce que souvent ça fait pom pom pom. Allez, l'atmosphère, l'O2. Alors, je connais pas du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose sur. Ok, Rich Insect Level. Ok, je suis très content. Je crois qu'on arrivait aux insectes, moi. Mais il n'y avait pas. Déjà, il n'y avait pas eu les arbres. Et je crois que les insectes, en gros, ça nous disait, bah bravo, mais c'est pas implanté dans le jeu, quoi. Donc, ok, l'O2, ça a l'air d'arriver tout doucement. Ok, très cool. Juste, j'ai récupéré le chauffage, là, qui était en plein milieu. C'était un peu de la merde. J'ai mis le truc derrière. Je pense que lui, je vais le bouger, peut-être. Bah, on va le faire maintenant, hein. Donc, c'est information orbitale. On va le prendre et on va le mettre là. Voilà. Formation orbitale, on a tous nos petits écrans, nos trois écrans, je continuerai les bureaux. J'ai mis des vitres ici, comme ça on peut voir, et c'est surtout que ça donne une sorte de cohérence visuelle. Même si c'est pas les mêmes, c'est quand même plutôt sympa. Pour les ruches, my bad, regardez, il y a plein de petites abeilles. En fait, vous cliquez, et ici c'est pas une larve, c'est le miel. Donc ça tombe bien que j'ai pas fini l'épisode. Ici on commence à voir les arbres, les autres arbres. Hein. Voilà, la deuxième. Et ici, quand vous venez dans l'eau, voilà, vous avez un truc à voir. Vous cliquez gauche et vous buvez dans le lac. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. J'ai enlevé ma tenue custom pour pouvoir mettre mon filtre à eau. Parce que je vais vous avouer que 10 de santé. Parce que ouais, c'est de la merde, pardon. C'est pas ouf, je pense que c'est pour autre chose tout simplement. Et je l'ai craqué. En fait, ici l'exosquelette demande une barre de super alliage. Ouais, j'ai la flemme pour le moment, donc j'ai enlevé ma tenue. Voilà. Le filtre à air, bah on l'a fait, hein. C'est pour ça qu'on est à moins 1,5, c'est très très cool. Voilà, écoutez, je suis plutôt satisfait de cet épisode, je vous ai montré beaucoup de choses. Maintenant, prochain épisode, on ira voir en face si j'y repense, parce que ça me trigger fortement de voir ça. Et puis, donc moi, entre-temps, je fais beaucoup de fusées, je vais aller explorer un peu, voir si je trouve d'autres larves pour pouvoir continuer. Et puis, le dôme à papillons, de toute façon, je vous attends. J'irai poser une mine ou deux T2 pour pouvoir tranquillement avoir de l'osmium, aller récupérer un petit peu d'uranium, d'iridium et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, avec les fusées, ça devrait aller assez facilement. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, et abonnez-vous à la chaîne, ça donne de la force. Allez, en attendant, prenez soin de vous, et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!